comme une impression de déjà-vu. Le 16 novembre dernier, Béatrice Diorca a atterri à l'aéroport de Los Angeles pour un petit voyage personnel. Habillée très sobrement d'une jupe, d'un t-shirt blanc, d'un bombé noir et de slippers étoilés, la princesse, qui a récemment retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Eduardo Mappelli-Mosi, a prouvé qu'elle savait être à la pointe des tendances. Mais si est-il justement sa jupe qui a retenu l'attention, noire, hissée, mi-longue avec un petit liseré blanc en bas? Ce modèle baptisé Saturday est une création de la marque Michanonu, qui coûte environ 200 euros. Et que l'on avait déjà pu apercevoir par le passé sur Meghan Markle. En effet, la duchesse de Sussex avait porté ce modèle le 20 septembre dernier à Kensington Palace lorsqu'elle avait reçu les femmes qui ont écrit le livre Together, Our Community Cookbook. Une rencontre qui avait été très remarquée, puisqu'à cette occasion, Doria Raglan, la mère de Meghan Markle, avait accompagné sa fille et le prince Harry. Une jupe, deux tenues. Béatrice Diorca et la duchesse de Sussex nous montrent ainsi comment une pièce peut donner une allure différente selon comment et avec quoi elle est portée. Car si la sœur de la princesse Eugénie portait cette jupe de manière décontractée mais non moins élégante, Meghan Markle avait quant à elle opté pour un top col roulé, des escarpins noirs et un long manteau bleu. La duchesse de Sussex serait-elle devenue une inspiration en matière de mode pour le reste de la famille royale ?